À son Excellence, Monsieur le Président de la République, ma foi
que sous son mandat, sous son présent mandat et celui à venir, d'autres trophées seront conquis dans toutes les disciplines sportives en Côte d'Ivoire. Également, lors de sa dernière Assemblée générale, je décernais un satisfecit à la Fédération ivoirienne de taekwondo. En effet, du point de vue de son organisation, de ses résultats, la Fédération ivoirienne de taekwondo est la meilleure des fédérations sportives de Côte d'Ivoire. À chacune de ses sorties, des lauriers et des lauriers. Aujourd'hui, la Fédération ivoirienne de taekwondo donne le sourire aux Ivoiriens. Vous comprenez dès lors ma joie d'être parmi vous cet après-midi. Comment ne pas être fier d'une telle fédération qui rapporte toujours des lauriers à la nation. Sans vouloir revenir sur son palmarès, aujourd'hui les éléphants taekwondoïnes sont champions du monde francophone. Et ce titre de champion du monde francophone ouvre les portes du championnat du monde au Mexique en juillet prochain. Je reste convaincu que les attentes des Ivoiriens seront encore comblées grâce à ces champions qui sont devant nous. Chers amis sportifs, permettez-moi de rendre un hommage appuyé au président Bamba Cheikh Daniel. Je l'ai dit la dernière fois, le président Bamba Cheikh Daniel est un homme de devoir et de conviction. C'est un travailleur infatigable, intègre, sportif et mérite. Par-dessus tout, c'est un grand commis et grand serviteur de l'État de Côte d'Ivoire. Plus qu'un honneur, c'est la reconnaissance du travail bien fait. C'est aussi un défi en ce que les trophées de ce jour vous obligent, Monsieur le Président, à faire mieux, beaucoup mieux et toujours mieux. Héros du jour, je vous adresse mes félicitations pour votre engagement dans l'effort. C'est maintenant que le plus dur commence. Vous avez défendu avec honneur et détermination la patrie où hissait haut son emblème, le drapeau orange blanc vert. Chers athlètes, vous êtes grands et forts. Vous avez toujours été grand et fort et vous serez toujours grand et fort pour conquérir d'autres trophées. Pour y revenir, je vous invite encore à plus d'humilité au respect de vos encadreurs que je salue. C'est à ce prix que vous irez toujours de l'avant. J'associe à cet hommage l'équipe technique qui a fait montre de professionnalisme et de savoir être dans l'encadrement des jeunes que vous êtes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la Fédération ivoirienne de taekwondo, chers champions, la nation vous sera reconnaissante. Le Vietnam n'était qu'une étape d'une grande saison sportive. La prochaine étape sera le Mexique, où vous êtes déjà attendu et perçu comme les athlètes à battre. À votre retour du Mexique, la Côte d'Ivoire avec à sa tête son président, j'ai nommé le président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire et son président vous recevront pour vous célébrer parce que vous êtes des champions. C'est une fierté pour la Côte d'Ivoire. Le président de la République s'est engagé à aider le sport dans son ensemble afin de faire triompher la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. Nous pensons que ce trophée de champion du monde francophone de taekwondo qui vient est une porte qui s'ouvre encore pour le sport en Côte d'Ivoire. Nous avons souffert de la crise et nous pensons aujourd'hui que c'est le sport qui va permettre à la Côte d'Ivoire de se réconcilier. C'est le sport qui va permettre à notre jeunesse de se retrouver. Et c'est taekwondo qui revient avec la coupe. C'est une fierté pour notre pays et il faut les célébrer, il faut les saluer.
normal qu'on vienne les célébrer pour aujourd'hui. Ils seront célébrés plus tard lorsqu'ils reviendront du Mexique. Où les attendent encore d'autres challenges parce qu'il y a le championnat du monde ouvert de taekwondo. Et nous pensons qu'ils reviendront encore champion du monde. Merci beaucoup.